attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonic Zone Power, plus connu sous le nom de Sonic, et aujourd'hui on se retrouve pour le 31ème épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est parti les petits enfants. Et nous en étions à la fontaine de la grande fée, de je sais plus quelle grande fée en fait. Et qui nous manquait des herbes de piment pour améliorer à fond, pour améliorer jusqu'au niveau 2, la tenue Piaf. Bien, tâchons de trouver des trucs piaf. Alors pour ça, faut aller dans les montagnes. Alors... les herbes piment qui disent. Donc nous allons aller directement dans les montagnes pour aller chercher ces herbes afin d'améliorer notre tenue de piaf au minimum. Je crois me souvenir du bonus que ça donne, mais je préfère me garder la surprise. Et on en est à 64 sanctuaires. Parfait, on n'a absolument pas froid. Maintenant... il est temps de regarder chaque petite... oh bah t'as, il y avait justement un connard là, mais il m'a même pas vu. Je m'en fous de ça. Ah! Ah non, non, ça c'est l'amibo, je m'en fous. Ces photos... ah, ce sont des herbes glagla. Bon, on les photographie, hein. Moi ce sont plutôt des herbes... normalement, les herbes piment devraient pousser ici, dans le... ah! Non, encore des herbes glagla. Là-bas... d'autres herbes glagla. Moi, c'est du piment qu'il me faut. Oh putain, chauve-souris de glace. Il y a des chances que leurs ailes soient utiles. Et encore un connard, sauf que je m'en fous de toi. Putain, il me tire dessus à bout portant. Die toi. Désolé, mais j'ai autre chose à foutre que de faire joujou avec vous. Alors. On va servir ça pour slider. Oh, cette musique, il y a un dragon qui passe. Mais que vient faire Rordrak ici? Je m'en fous qu'il donne l'alerte, moi c'est des herbes piment que je veux. Encore des herbes glagla. C'est où qu'on les trouve ces herbes piment à la fin? Ah! Un coffre. Il redescend tout en bas. Ah mais vraiment, vraiment tout en bas quoi. Mais programmé pour atterrir sur ses pieds. 5 flèches électriques, merci beaucoup.
Et il y a du minerai, sauf que je m'en carre. Ça sert hors drac et je m'en carre aussi. Attendez. Ouais, il y a un gardien détérioré, on va le laisser tranquille. Je suis sûr que les trucs piments, on peut les trouver dans les steppes enneigées. Ou alors sinon, ce sera dans le désert. Ok, vous savez quoi? Si dans 5 minutes, j'ai pas trouvé des herbes piments, on ira dans le désert. Allez, mangez tout ça. On a même vu son squelette à l'autre quand il a volé. Bon. Je suis lent comme un cul sur la neige. C'est vraiment pas fameux. Calculé. Ça fait chier électrique, merci beaucoup. C'est quoi? Si les prochaines serpes que je croise c'est pas les bonnes. Ah bah de toute façon le laser est juste à côté, hein, j'aurais juste à glide. Attends, c'est aussi un coffre ça? Oui c'en est un. Il y a beaucoup de coffres ici. Pas le bruit, merci. Non, je crois que Nabori, c'est pas quelque part par là. Non. Carandra qui est encore là-bas. Ah ouais, Nabori, c'est par là-bas, apparemment. Sauf que je ne peux pas la voir. Bon, c'est pas grave. Tiens, c'est quoi ça en bas? Oh, juste hein, les alphos camouflés dans la neige. Enfin, pas tellement camouflés que ça, puisque en plein ombre, ils se... Oh! C'est quoi ça là-bas? Non, ça je m'en fous. Ça que je veux voir. Une herbe claque là-bas. Très bien, on va dans le désert, les enfants. On met la tenue adéquate. Hop là, paf. La glide et attends, eh hey, mais on se rapproche du repère des gigas là en fait. Et il y a un truc intéressant ici apparemment. Là. Non, c'est juste un tas de rochers. Même pas un littorank. Oh! Par contre là, il y a un truc. Pour un sanctuaire apparemment, cool. Et herbe piment, bah voilà. Justement, exactement ce qu'il nous faut. On prend en photo. Donc c'est dans le désert qu'on les trouve. Très bien. Oh, attends, je m'écarte. Ah non, dès que je m'en approche, c'est bon. Alors, toi qui es en quête de force, offre à l'obscurité la luisance d'une pierre bleue. Ok, est-ce que j'ai des gemmes nox sur moi? Oui, j'en ai. Comme ça, j'aurais pas à péter les trucs au-dessus. Hop là. Et elle brille même pas en plus, hein. J'aurais peut-être dû attendre la nuit. Ça aurait été plus cohérent. Et allez, un sanctuaire dès le début de l'épisode, ça fait plaisir. Tada! Merci. Et maintenant, je peux péter les trucs tranquillement. Je vais me faire un sacré paquet de fric. Si les gisements repoussent, alors là j'aurai une source de. Une source de gemnox totalement fumée quoi. Vous savez, moi les sanctuaires je les fais 4 par 4. Donc si on trouve pas 3 sanctuaires avant la fin de l'épisode, celui-là on le laissera tranquille.
Ouais, c'est bien ça, c'est le truc des gigas. Alors, modifier la recherche sur herbe piment dans le désert Gerudo et les collines d'Hyrule. C'est bien par là le désert Gerudo, on est d'accord, oui. Arrête pas de me turlupiner dans la tête, je pense que je vais vous faire une vidéo qui vous annoncera le programme de mes futures séries. Ah! Par là. Ah d'accord, ça doit être en bas. Oh oh, c'est limite là. Alors elles sont où mes petites herbes? Ah les voilà. Ok, là-haut maintenant, tenue d'escalade. Ça va, tu vas pas te lâcher pour ça. Oh, un truc au goût. Oh god, 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 mais pourquoi tu t'accroches pas? Me dis pas que ça a réinitialisé le truc, elle est où la fleur là? Ah d'accord, elle est au-dessus. Allez, donne, Manoa. Non, d'une fois que tu m'as trouvé. À la voyeur. Merci, petit gars. Dommage qu'on puisse pas mettre les vêtements raccourcis, ce serait vraiment utile. Là, hop là. Voilà, là-bas il y a des herbes apparemment. Je crois qu'il m'en faut juste 3, mais on va en prendre une bonne dizaine. Hein. Je pars précaution. Hein. Ah! Le radar se tait. Oh! Oh merde, une tempête de sable! Merde, je me suis mangé une bonne vieille tempête dans la gueule. Bon, c'est pas grave. Allez, on met le déguisement de Lesalfos. Comme ça, les Lesals, ils nous foutront la paix. Et de la viande divine grillée. La cuisson directe à la flamme et sans aucun ajout d'assaisonnement a fait ressortir les qualités gustatives de cette pièce d'exception. Merci. Bon, est-ce que j'ai encore du bois, moi? Non. Je ne peux donc pas attendre. Je ne peux donc pas accélérer le temps en attendant que la tempête passe. Bon, très bien. Quand je pense que dans Lord of Shadow 2... Oh oh! Bonjour copain. Non, je suis désolé, j'ai pas le temps de faire joujou avec toi copain. Oh attends. Dans les infos électriques, j'ai déjà une photo de ce truc. Et si je sors mon hang glider, ça lui fait rien du tout. Ouh.
Non, ça c'était juste un champignon. Allez, drop. Mais sérieusement, je vois rien à cause de cette putain de tempête. Ah! J'ai vu un truc briller là. Oui, des herbes piment, parfait. Oh putain l'enculé. Octocoffre. Ça ce sont des herbes volt. Voyons voir au niveau de mes herbes piment, j'en ai pas plus de 3, je voudrais quand même en prendre plus que 3 pour par sécurité. Ça c'est du piment ou du volt? Non, c'est du volt. Elle peut bien se barrer s'il vous plaît, la tempête de sable. J'ai horreur des tempêtes. C'est quoi ça là-bas? Ouh, un squelette géant. Donc il n'y en aurait pas qu'un seul. Et un sanctuaire. Sanctuaire de Zina Zuhu. Avec des herbes piment. Merci beaucoup. Eh, c'est une bénédiction, je rigole. Mais je vous l'ai dit, on fait les sanctuaires 4x4. Ah, la tempête a l'air de se lever. Attends, mais il y a combien de grands squelettes ici? Merde, il m'a vu. Trop mignon ce truc. D'accord, il faut que j'y aille en tenue de ninja. Ça, c'est quoi? Merde, j'ai raté les herbes piment. Bon, allons voir cet énorme squelette là-bas. Attends, je rêve ou il y a eu un glitch d'affichage un coup là? Vas-y, je te rends là ta liberté, j'avais juste besoin de toi pour ça. Qu'est-ce qui me fait mal? Ça, c'est des héroïnes à la con, je m'en fous complètement. Alors moi ce que je voudrais c'est sortir de cette tempête. C'est chiant. On suit où niveau herbe? 7. Ça va. Mais tant que cette tempête de sable durera, je ne pourrai pas aller retourner ni au village Piaf ni à la fontaine de la Grande Fée. Ça c'est chiant ça. Je suis condamné à attendre. Ah, tout de même. Et on se trouve sur le terrain de chasse d'un Moldarkor. Et bah vous savez quoi, on va aller l'affronter.
d'ici. Oh pute. Oh, je parie qu'il faut faire un truc des flammes bleues ou quelque chose dans le genre. Pour commencer, permettez. Merci. Tu veux te battre, on va se battre mon gros. Explosive. On prend les bombes pour la tirer. Tiens, juste ça. Ah, mais je suis con. Où est ma tenue de barbare, bordel de merde? J'ai perdu un de mes arcs, c'est pas grave, on continue. Oh merde, ça me tue aussi. Vous pourriez aller quelque part? Sorry, mais you will not go nowhere. Allez, die. Ouh. Ah non, je croyais que c'était un nouveau truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Épée royale! Cadeau de la famille royale, rappel au chevalier, c'était... Non, non, ça j'ai déjà vu cette description-là. Sauf que j'ai pas la place. Et là-dedans, il y a quoi? Encore une épée royale, avec une attaque de 55! Attends, c'est quoi le truc qui frappe le plus fort de tout cela? C'est ma Master Sword avec ses 60? Hey. Alors la hallebarde royale, elle est sympa. Mais non merci hein. Hey, 55 d'attaque. Et toi tu fais du combien toi? De la durability. Non merci. Putain, du 55 d'attaque l'épée royale. Elle est 5 points moins puissante que la Master Sword. C'est fumé. Ah, c'est fumé, c'est fumé, c'est fumé. Hein. Bien. Alors. Là. Bon, désolé, j'ai pas le temps de faire joujou avec toi. Si je ne me trompe pas, faut tout allumer, c'est ça? Ils se contraignent qu'il y a un sanctuaire qui va surgir. J'espère que la tempête de sable va rester bien éloignée. T'es Naboris, elle est là-bas, je la vois. Droit devant. Ta baguette des météores va bientôt se briser. Ouais. Allez hop. Troisième sanctuaire. Allez, photo, ça le mérite. Allez hop, on le géolocalise. De ton caillou. Caillou. Bon. Non, si vous le voulez bien. Attends. Il y a celui-là que j'ai pas fait. Celui-là. Alors, 1, 2, 3. 4, 5. Six. Oh putain. Six sanctuaires que j'ai pas fait. Putain, j'avais oublié les sanctuaires de l'autre fois. Bon, c'est pas grave. Attends, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Il n'y en a pas deux autres? Deux autres petits sanctuaires? Non? Bon, très bien. Alors, hop, direction la tour de Tabanta. Et on ira voir notre chère grande fée pour qu'elle améliore la tenue au niveau 2. La tenue piaf.
Et on en est qu'à une demi-heure de tournage. Même pas, à peine 26 minutes. Ne sais pas pourquoi, mais je sens que le jeu va me faire un méga coup de pute dans cet épisode. Parce que tout se déroule beaucoup trop bien. Bon bah en fait, je n'ai plus qu'à trouver deux sanctuaires. Hein. Et on fera les 8 d'affilée. Allez, Kasea, te revoilà. J'ai senti ton parfum, mon mignon. Bien, tu veux bien me montrer tes vêtements que tu voudrais que je renforce? Avec mes pouvoirs actuels, je peux rendre tes vêtements très résistants, mon mignon. J'y vais? Oui, vas-y. Pour ça, il me faut des ailes de feu et je n'en ai pas une seule. Et il me faut aussi des champi-piments. Heureusement, les ailes de feu et compagnie, je sais où les trouver. Quant à ça, il me faut une canne de Nedrak. Ah bah parfait! Je sais justement où le trouver, lui. C'est parfait, ça. On va prendre ça. S'il te plaît. Très bien, ça marche. Allez, ferme les yeux. Oui, vas-y, alors que je regarde. À part le totem de diamant, il ne peut rien faire. Ça, je m'en fous complètement. Non, moi, ce que je voudrais, ce serait surtout ça et ça. Il me faut 20 en ambre et je n'en ai que 7. Parfait, on ira chercher du minerai. 20 d'ambre, très bien. Et une corne de Nedrak. Deux cornes de Nedrak, en fait. J'attendrai. Allez, à bientôt. Alors, commençons par les boucles d'oreilles. Alors, du minerai, s'il vous plaît. Hop là, on recherche du gisement, s'il vous plaît. Hop là, paf, paf. Et il y a du gisement à proximité, justement. Donc, il nous faut encore 13. Ah, et c'est là qui c'est le lieu surveillé par les gardiens. Alors on va commencer par les éliminer et ensuite seulement on ira chercher le truc. Ils sont toujours là les gardiens, on est d'accord. Deux gardiens volants normalement il y a. Non? Ça me surprend. Normalement il y a deux gardiens qui viennent casser les couilles ici. Ah bah t'es les voilà justement. Oh oh. Non, pas le bouclier de Daruk, hors de question de le gâcher. Retour à l'envoyeur, enfoiré. Ça touche quand même. Il attend d'esquiver. Ah, j'aurais voulu lui faire un crush counter, mais apparemment ça ne suffit pas. Bon, très bien, maintenant on reprend un arc normal. À viser, hop là, attaque. Possible. On essaie de glide. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Tu meurs. Bon, des alphos. Non, ça fait quoi si je mets mon masque? Il veut m'attaquer ou pas? Ok, non, une fois qu'ils savent que je suis un intrus, il compte pas me lâcher les masques. Mais eh putain, pourquoi je peux pas sauter? Foutez-moi la paix, nom de dieu de merde. Il faut que j'élimine l'autre connard. Alors. Arrête de faire le con, putain, il nous grimpe. Alors, où est le minerai? Il est là-bas. Battait. Je l'ai vu. Oh
Oula, c'était juste. Juste. N'importe quoi. Alors, il y a quoi là-dedans? Rubis argenté, merci beaucoup. Et là, une pierre avec un corogou, je parie. Non, il n'y a rien du tout. Est-ce que je peux la balancer sur ce type? Non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, ça s'est fait. Normalement, il y a un Yikes qui vient me chercher des noix, je crois. Non. Ah si, un Yigas. Non, non, je ne veux pas le Hakai. Je veux le tuer. C'est pas pareil. Je vais te battre, espèce de lâche. Une arme, s'il vous plaît. Abattez, justement, j'avais besoin d'un arc. Merci beaucoup. Maintenant que les deux gardiens sont HS, occupons-nous des minerais. Ça, c'est ce que j'ai de mieux pour miner. Hop là. Voilà. Pour ce qui est de l'ambre, on en a 8, ce qui fait qu'il nous en manque 12. Out of my way. Autre chose à foutre que de faire joujou avec vous. Oui, je sais qu'il y a du minerai par là. Pourquoi crois-tu que j'y vais? Merci. Bah alors, il est où le minerai à la con? Ah, ici, très bien. Ouhou, oh, 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 parfait. Même s'il n'y a que l'ambre qui m'intéresse. Ok, plus que 10. Clairement, j'ai pas ce qu'il faut. Tenue d'escalade. Voilà, merci. Le minerai, où est-ce qu'il est ? Et je vois, c'était bien la peine que je me casse le cul à monter. Hop là, très bien, voilà. On va peut-être se moiser, mais je m'en fous, elle est plus que 7. C'est vrai que dans ces canyons, on trouve souvent beaucoup de... beaucoup de minerais. Ouais, voilà. Ouh, je veux les deux, moi. Seulement un silex dans un minerai précieux, vous vous foutez pas un peu de ma gueule, là? Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on prend la Master Sword. Vous savez quoi, hein? Le meilleur endroit pour trouver du minerai, ça reste encore la montagne de la mort.
Alors ça donne quoi comme ça? Pas mal. Allez hop. Direction la montagne de la Muerte. Et on y va. Putain, le rapport mensuel, je m'en bats les couilles. Ce train de micro qui s'affiche toujours pendant les tournages, non mais va te faire quoi. Il y a des chances que ça ait provoqué une désynchronie. Alors, du minerai, s'il vous plaît. Il est où ton minerai? Ok, non, ça c'est les Gemnox, c'est le Magrock et j'ai pas franchement envie de me battre contre lui. Ah voilà! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a là-dedans. Du rubis et de l'ambre, merci beaucoup. Plus que 6. On voit Roudania là-haut. Ah, gisement précieux. On suit où? Plus que 5. Désolé le Magrock, j'ai pas le temps de faire le jeu avec toi. Voilà. J'en ai rien à foutre de tes flammes. Mais vraiment complètement rien à branler. Très bien. Trouvé. Plus que 3. Franchement, la montagne de la mort, ça me rappelle mon enfance dans le monde réel. J'adorais crapahuter dans ce genre d'endroit. Putain, messieurs. Oh, mes pauvres neneuils. Il me faut une plateforme de lancement pour atteindre l'autre rive. Donc
plus simple, je vais me rendre à Roudania. Hein. On a encore l'unité centrale de Roudania là. Alors. Allez, on se drop. Et on glide. Les chemins qui mènent au sommet. On a pour combien de temps à retrouver ton pouvoir? 10 minutes, parfait, je peux attendre. De toute façon, j'aurai besoin d'elle pour une mission plus tard. Allez, on prend une de nos longues épées de flamme. Ah, plus qu'une. Bon, je sais que j'ai juste à... Ah, voilà. Oh, bon, plus du minerai précieux. Je veux. Rubis, merci. Cristal de sel, merci. Oh oh! Ah bah attends, bah non, pas oh oh! En le tuant, je pourrais avoir ce que je veux. Mais putain, tu vas arrêter de bouger, connard! Et merci pour le marteau. Ça va me permettre de mieux faire le minerai. Merci. Allez, justement, du minerai, il y en a juste là. Parfait. Bien, retournons voir la grande fée. La grande fée, où elle est là. Bien, mes boucles d'oreilles, s'il te plaît. Ben ça. Ah. Oui. Oui, je veux, vas-y. Oh putain, je me suis trompé. C'est dommage. Tu reviendras, hein, je t'attendrai. Oh merde, elle replonge. Oh putain, je suis complètement con. J'ai appuyé sur le bouton B pour aller plus vite, mais. Oui, vas-y. Bien.
Alors, ce que je veux, moi, c'est ça. S'il te plaît. Très bien, ferme les yeux. Heureusement que j'ai un casque. Oncle d'ambre, parfait. Oui, vas-y. Des saphirs bruts. Non, merci. Ah! Oh! Très bien. En revanche, je peux faire ça et. Allez, plastron archéonique, on y va. Oui. Alors, ça, je le passe. Parce que c'est bien sympa, mais. Oui, vas-y, s'il te plaît. Ça, je m'en carre complètement. Tac, arbre antique, ok. Je vois. Et ça, je m'en fous. Allez, à bientôt. Alors, voyons voir un petit peu le bonus du. De la tenue piaf. Immunité au gel, parfait. Je ne peux pas geler même si je me prends des flèches de glace et compagnie. Ça, c'est très bien. Donc, on va prendre ça, 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 et paf, ça nous fait un bonus de dégâts de 50. 50 en protection, ça respecte. Ça respecte, ça respecte. Parfait, parfait, parfait. Bien. Alors, maintenant, bah, justement, on va prendre la tenue piaf. Notre épée de feu sur le point de se briser. Un arc de soldat, c'est très bien. Un truc archéonique. Voilà, on est prêt. Et maintenant, c'est le moment d'aller affronter un boss. Eh oui, parce que pour pouvoir améliorer ma tunique, il me faut... Attendez, c'est ici, je crois. Il me faut une écaille de Nedrak, et Nedrak, on le trouve ici. Je modifie la recherche. Or, Nedrak, je crois. Ah! Là, voilà. Nedrak. Et le truc qui est le plus proche de là où je dois aller, c'est ce sanctuaire. Donc, on y va. Oh ta gueule toi. C'est même par là qu'il faut aller. Oui, c'est par là. Je vais droit dessus. C'est vraiment, tu redescends tout en bas et tu fermes bien ta gueule, hein. Ok, bon bah direct, on prend le chemin normal. Puisqu'on n'a pas le droit de prendre de raccourcis, va te faire. À escalader. Arrête. Non mais je sais que tu peux grimper, Link.
Alors, arrête de me montrer en t'agrippant n'importe où. Tiens, une épreuve Korogu. Ça me demande d'aller où? Ah non, c'est pour redescendre. Non mais là, faut pas déconner non plus. Ah! Le voilà, Nedrak. Et il a pas l'air en bon état. Le pauvre. Je vois des trucs de Ganon sur lui. Allez, encore un loulou. Oui, je sais qu'il est là. Ouais, il y a des trucs de Ganon qui lui est par-dessus. Je vois des yeux et tous ces cristaux sont sombres. Attends, je vais prendre une photo plus nette. Le pauvre. Des chouchous blancs, je m'en carre complètement. Bonjour mesdemoiselles. Désolé, mais j'ai rien à foutre de votre présence. Bonjour toi. J'en ai aussi rien à foutre de ta présence à toi. Déjà vu la source de la force, la source du courage, et voici la source de la sagesse. Je crois que c'est ça. Oh putain, pauvre Nedrak. Te félicite, tu as réussi à atteindre cette source. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes de triomphe. Celui que tu vois ici est Nedrak, l'esprit d'azur de la montagne de l'année, les gardiens de la source de la sagesse. Au service de la déesse, il règne sur les esprits des terres depuis la nuit des temps, inconnu de tous. Hélas, tel que tu le vois aujourd'hui, il est sous l'emprise des terribles pouvoirs de Ganon, le fléau. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Toi qui as obtenu des emblèmes de triomphe, utilise tes pouvoirs pour libérer Nedrak, l'esprit d'azur, du mal qui le ronge. Oh oh! Ouais, c'est mieux. Et toi, mange pas ça déjà pour commencer. Boum! Et de 1! Alors, Nedra, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, il se casse. Wow! Chouchou! Dark Nedrak. Bah alors, tu comptes faire quoi exactement? Il va juste tourner autour de la montagne ou quoi? Apparemment.
Bon bah montons hein. Ouais, il en a aussi furé. Quel pervers ce Ganon, il a collé des. Il lui a même paralysé les testicules. Quel connard ce mec. Laisse le slip de Nedrak tranquille. Je vais t'apprendre deux ou trois choses, gamin. Comme dit le patron, inutile de demander conseil auprès de Roko ou Katsuni, car il faut que tu saches, gamin, que c'est moi qui leur ai tout appris. Alors... Raté. Mais oula. Arrive avec la boule. Bouboule, bouboule, bouboule. Oh putain, je l'ai raté de boule. Putain. Pas moyen de prendre un peu plus d'altitude, s'il vous plaît. Pauvre Nedrak, quand même. Ok, il revient par ici. Allez, ça touche! Maintenant, il devrait partir autre part, je crois. Attends, est-ce que je peux l'affronter hein, comme il se doit? Voilà. Et elle n'est pas encore prête. Je voulais affronter Nedrak avec la Master Sword. Alors on va patienter. Le temps que l'épée se revitalise. Qu'est-ce qui va comme ça? Oh ok, je vois. Ah, parfait. J'aimerais bien le photographier en entier. Je l'ai fait pour les autres dragons. Ah! Ah voilà, là c'est juste parfait. Avec le fond, en fond, c'est parfait. Master Sword à moi. Et il laisse une traînée cosmique derrière lui, très bien. Je sais pas où on est là, mais ça a l'air d'être des sources chaudes. Méga giga drop. Et hop là. Occupons-nous du reste du corps avant de nous occuper de la tête. Hop là. Ça touche. Par là, mon petit drac, je ne veux que ton bien. Allez, drop. Ok, il descend là. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Allez mon petit Nedrak. Il est là. Allez viens, 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 viens. Oula et... Raté. Putain. Merde, j'ai pas de flèche, fais chier. Je vais prendre 0 comme une grosse merde. Glide, giga glide, je dois aller où, bordel de merde? Tiens, bouffe ça! Ça touche, mais j'ai pas eu le gros œil.
Là, si je touche pas, c'est que je suis vraiment pas doué. Fire! Ouh. Il est trop classe comme ça. Je prends une photo. Nedrak est libre. Parfait, je prends aussi une photo là. Parce que ça le mérite, c'est trop classe. Et alors? Déesse, le combat t'a-t-il plu? Grâce à toi, Nedrak, l'esprit de la montagne de l'Anel a été libéré du mal qui le rongeait. Frappe de ta flèche le corps de Nedrak, ainsi libéreras-tu l'esprit de cette partie du monde. Pardon pour la flèche explosive. Bah alors? Ceci est une écaille de Nedrak. Elle t'est offerte comme preuve de ton courage par le dragon gardien de la source du... depuis les temps anciens. Dépose maintenant l'écaille dans la source de la sagesse. Écaille de Nedrak. Un souffle glacé perdure dans cette écaille que l'esprit d'Azur Nedrak a perdu. Elle peut servir d'ingrédient, mais la cuisiner serait sans aucun doute du gâchis. Et voilà le travail. Parfait. Et hop, un sanctuaire. La voie est toute tracée, il ne te reste plus qu'à la suivre. Merci, déesse. Alors, on géolocalise ce sanctuaire. Que je regarde un petit peu. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y en aurait pas un huitième quelque part? Non. Tant pis. Alors, Nedrak, où est-ce que tu es maintenant? Alors, Nedrak, je sais qu'il vient à un certain endroit. Il est par ici. Je pense que je vais être obligé de faire la tour des auras. Bon, ça fait longtemps que j'aurais dû la faire, cette tour. Donc on va la faire. Hein. Pas par là, par là. Voilà. En espérant que le Zora qui s'y trouve ne me cassera pas les pieds. Je suis ici pour faire la créature des piafs, pas celle de l'eau. Ok, Gemnox, mais je m'en fous un peu. Voilà, la dernière tour que je n'ai pas activée est là-bas. Allons-y. Alors là, on a Rodania qui tient en mire et également Naboris. T'es dans la merde, Ganon. T'es dans la grosse merde. I believe I can glide. Allez, on va prendre deux trucs de nos dracs ensuite.
Allez hop. Le minerai. Tant pis, celui-là je l'aurai pas. Tant pis. Je pourrais l'avoir, mais ça me forcerait à retomber. Quand je voulais éviter ça. Ok, un inox. J'en ai rien à foutre. Je vais passer juste au-dessus, comme ça je vais pouvoir le baliser. Hop là. Ça c'est fait. Allez hop. Direction la tour Zora. En espérant encore une fois qu'on ne cassera pas les couilles avec. Il y a un grand truc là-bas. Je sais pas ce que c'est. Pour l'instant, je ne préfère pas le savoir. Désolé petite, j'ai autre chose à foutre que de faire jojo avec toi. Ah, Nedrak à proximité. Il est là. On verra ça plus tard. D'ailleurs, je crois que j'ai des... moment d'utiliser ma hache. J'ai besoin de bois. Pour mon astuce, j'ai besoin de bois. Tiens. Il y a... comment il s'appelle l'autre abruti déjà? Qu'est-ce qu'il est lui? J'entends sa chanson, mais il est où? Là, ah voilà. Ah, ça, je parie que je sais ce que c'est. Bon, on va le faire, hein. Oh, hors de ma vue. Donc, ah, ça rime. Oh, mes excuses, j'étais absorbé par cet ancien chant. Je savais que nous nous rencontrerions encore, quel que soit le moment, quel que soit le décor. Là où nous rencontrerions, perdure un de ces anciens chants. Il parle d'une des épreuves dans le... où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Vas-y. Oh. Je te remercie. Sur le mont où la vie fleurit en abondance, une bête brandit fièrement ses deux lances. Sur son échine, héros, tu vas chevaucher, l'épreuve qui t'attend, tu pourras approcher. Ok. La montagne ou la montée de Virgin doit être celle-ci, mais quelles sont ces deux lances? En ces vers, il me semble est caché un secret que mon esprit, hélas, seul ne pourra percer. En attendant que sera résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. Très bien. Alors, la bête à deux lances, je sais déjà ce que c'est. Tenue de ninja. Crois, en tout cas, je crois. Et on enlève toutes les armes. La bête à deux lances, je crois que c'est un cerf. Ou un calibre, appelez ça comme vous voulez. Alors, ils se sont barrés au moment où je suis venu. Faudrait que je puisse les trouver, ils sont où bordel de merde? T'as encore une salope! Fous-moi la paix. Alors ça, c'est un c'est l'une d'entre elles. Il y a des montagnes, moi c'est un cerf que je veux. Ils sont tous attirés par les points d'eau. Là il y a un Korogu, sauf que je m'en carre complètement.
carpe lame. Les agents contenus dans le foie de cette carpe d'eau douce peuvent améliorer la force musculaire. Cuisinez-la pour que la préparation augmente l'attaque. Merci. Alors, il y en a toujours une là-bas. Non, moi ce que je veux, c'est un cerf. Ça, c'est une chèvre. Ah! Cerf des montagnes. Faut lui arriver par derrière, hein. Sinon c'est cuit, ensuite faudra le calmer. J'arrive mon pote, sois gentil et ne bouge pas. Oh! Allez! Voilà. Oh merde! Putain! C'était quoi déjà la commande? Et voilà, putain, fait chier. Et voilà, il a disparu! Va te faire foutre! Chier à la fin. Attends, il est quelle heure là? Serre des montagnes, il y en aurait un autre plus près. Où? Attention, esquivons-le. Alors, c'est par là qu'il faut que j'aille. Je dois aller où, bordel de merde? On est dans le truc des... Non. Pas être à deux lances, c'est où? Allez, allez, allez. Mais... du fichier. Ok, bon, bah droit devant, on y va. Hein. Ah, voilà. Et je me change. Il est mignon en fait. C'était bien ça. Et voilà, on a notre 8e sanctuaire. Parfait. Bon, maintenant, faut aller chercher des écailles de Nedrak. Merci beaucoup. Allez hop, je te laisse tranquille, petit. Mi-hou.
Maintenant, on peut revenir à ce qu'on voulait faire la dernière fois, c'est-à-dire la tour des auras, bordel de merde. J'ai vraiment besoin de la carte que renferme cette tour. Il y a encore le volcan là qui s'est mis. Le volcan spirituel qui s'est entré en éruption. Bien, elle se trouve là-bas. Je pense que j'ai assez d'endu. Oh, tu vois une perche max, je viens à peine de la remarquer. Oui, juste assez. Allez, on y va direct. Salut, vous êtes mignon, mais j'en ai rien à foutre de vous. Hop là, bye bye. Ma tenue d'escalade, s'il vous plaît. Bon, le cerf des montagnes, j'en ai rien à cirer. Bah en plus, il y aurait un sanctuaire, sauf que j'ai déjà les 8 qu'il me faut. J'ai pas envie de me mettre à en chercher 3 autres. Pour toi. Oh, il y a un coffre. Putain, oh, mais va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 5 flèches explosives, merci beaucoup. Je pense que quand j'ai affronté les dragues, j'aurais dû d'abord viser les petits yeux et ensuite seulement le gros, histoire de faire durer le plaisir. Mais bon, le problème de ce jeu, c'est que... Hey, mais fous-moi la paix! Il y a encore un lézal. On a rien à foutre de toi. Tour de l'anel, très bien. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Tablette chacun reconnu, activation. Petite pause des enfants. Oui. Acquisition des données locales. Dépêche, allez. Putain, ça démonte, putain. Bla bla. Merci. La carte est complète. Parfait, merci. Et voilà le travail. Donc là, il y a le Zora, sauf que j'ai pas besoin de lui parler tout de suite. Donc,
Maintenant, je sais que parfois il vient par ici, le petit Nedrak. Attendez, un endroit où je peux l'avoir. Voilà, là. La baie de l'Anel. C'est parti, on y va. Et je sais qu'il y a aussi un souvenir de Link par ici. D'ailleurs, il faudrait que je me mette en quête de ces souvenirs, d'ailleurs. Les souvenirs qui me restent. Non, encore ce truc. Un bouclier, s'il vous plaît. Non. Voilà, merci. C'est par là que je dois aller. Alors, au niveau des trucs que je recherche, les dracs, où est-ce qu'il est? Enfoiré! C'est vrai qu'on est près du monde de la foudre et du coup, ça glisse tout le temps ici. Ah, voilà l'endroit. Voilà, c'est ici qu'il faut que je m'installe. Est-ce qu'il pleut? Et il y a un corogo, parfait. On est prêt, je m'ai trouvé. Hop là. À la voyeur. Il est quelle heure? Midi 20, ok. On est que deux, j'ai pas intérêt à les gâcher. Et va te faire foutre. Alors, mets les épées, s'il te plaît. Jusqu'au matin. Minute, les enfants. Alors normalement, Nedrak devrait passer par ici. Oui, le voilà, justement. Il est là. Voilà, le petit Nedrak. Donc je vais monter sur ce rocher là-bas. Oh, biatch. Hop là, allez. Non, 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 tu m'auras pas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'attendre. Ça, habillons-nous de circonstances parce qu'il balance du froid. Donc, hop là. Voilà, immunité au gel, tu me respectes. Je dois avouer qu'il était plus classe en dragon des nénèmes qu'en dragon de glace. Bon, après, ce n'est que mon opinion. Donc, c'est un éclat de corne qu'il me faut. Hein. Au niveau des arcs, bah déjà, commençons par nous équiper d'un arc. Et si je joue bien, je n'aurai besoin que d'une flèche. Bon, après, il faudra que je me réapprovisionne en flèche classique. Et aussi en flèche archéonique. Le voilà, il arrive. Oui, je sais qu'il y a du courant d'air, mais je m'en fous. J'attends qu'il vienne. Ah.
infirmière. Ça y est. Ah voilà, le truc est là-bas. Allons le récupérer. J'espère que j'aurai assez vendu. Oui, parfait. Écrablable, je m'en fous. Voilà. Éclat de corne de Rondrak. Le pouvoir de la glace se serait cristallisé pour devenir à la corne d'où provient cet éclat. Il se vend à un très bon prix, mais il a sûrement une meilleure qualité utilité. Oui, comme améliorer les tenues prodiges. Par ici, l'écrablable. Merci. Maintenant, faut retourner à l'endroit où j'étais. Et un turbo max. Merci. Comme dans Max Steel. Force Turbo! Allez, hop, on y va. Clyde. Le problème, c'est qu'il y a de la pluie. Du coup, je ne pourrais pas attendre. Il faut que je retrouve un endroit au sec pour pouvoir attendre. Petit enfoiré. Espèce de petit enfoiré. Ah bah t'es au moment où je me casse, qu'est-ce qui se passe? La pluie s'arrête. C'est ce qu'on appelle de la provocation, les enfants. Bah alors? Il ne pleut plus, alors pourquoi ça ne s'enflamme pas? J'ai compris, je suis obligé de consommer mon dernier tas de bois. Allez, on attend un nouveau Nedrak. On lui pique une de ses cornes. J'en suis à combien là? 29, allez. C'est raisonnable encore. Nedrak, je t'attends. Ouais, le voilà qui arrive. Mettons-nous en position. Il y a une façon bien particulière de se tenir, Link. Aussi haut au niveau de mes flèches. Ok, plus qu'une, j'ai pas intérêt à me louper. Allez, ramène-toi, Nedrak. Ouais, ça lui va super bien, ce truc à Link. Tu en mets une autre de l'autre côté et ça te donne le casque d'Astérix. Ah, voilà enfin le dragon. Cette fois, on va attendre qu'il passe vraiment tout près. Là, le voilà, il arrive. Est-ce que j'ai touché sa corne? Il est sympa, il m'envoie, il l'envoie là-bas. Allez, vers la rive, sinon tu vas te noyer, espèce d'idiot. Non, non, il veut pas sauter. Hein. Mais dis-moi que c'est une corne. Ouais. Allez, hop, maintenant, direction la fontaine de la grande fée. On y va. On améliore notre tenue de prodige.
ça devrait nous faire un bonus de 20 ou de. On devrait arriver soit à 20, soit à 18. Dans tous les cas, je serais extrêmement satisfait. Ouh, on se dépêche. Voilà les enfants, on y est. Hop là, la fontaine de la grande fée, elle est là-bas. On s'habille avec la tenue. Là, hop là, hop là. On a 50 de protection et ça va nous faire combien de rajouter? Cool! Ça, c'était de l'entrée. Bon, alors, Kaïsa, j'ai besoin d'une petite upgrade. Très évidemment, ils viennent tout foutre en l'air. Très résistant. Oui, je veux, vas-y. Et on passe à 22! Je prends. S'il te plaît. Alors, ça, on le passe, s'il vous plaît. Et voilà, augmentation de 3 niveaux. Parfait. Non, merci. Toutes mes sœurs n'ont pas encore retrouvé leur plein pouvoir. Mon mignon, si jamais tu les rencontres, tu veux bien les aider, s'il te plaît? Allez, à bientôt. Qu'est-ce que tu veux? Et ça nous fait un bonus de 58. On a presque autant de défense que d'attaque avec la Master Sword. Clairement, là, il y a de la puissance. Là, il y a de la puissance. Alors, je me téléporte au village des Piaf. Et dans l'épisode 32, on fera ces 8 sanctuaires. En commençant par celui des Piaf. Au beau milieu d'un tournage, au beau milieu, hein. Ils en ont rien à foutre que je suis en train de faire une vidéo pour vous les enfants, rien à foutre. On t'aime tant, cette vidéo dure depuis assez longtemps. Allez, on se dépêche. Parfait. Allez, on n'a plus qu'à se mettre en position. Hop là. Bien. C'est parfait. Avec 58. Les enfants, c'est donc la fin de ce 31e épisode du Let's Through de The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'espère que ça vous aura plu. Allez, paf, sauvegarde. Et à ciao, bonsoir.